Learn and play. ألعب وأتعلم. هيا بنا. بسم الله. بسم الله. والصلاة. والصلاة. والسلام. والسلام. على. على. رسول الله. رسول الله. اللهم. اللهم. افتح لي. أبواب رحمتك. Donc aujourd'hui les enfants, on va parler d'un animal très important. Un animal dans lequel Allah Azza wa Jalla nous a parlé dans le Coran, qui est Al-Baqara. 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 Là on écoute et on arrête de dessiner. Mahi Al-Baqara, qu'est-ce que ça veut dire la Baqara? La vache. Et la vache, c'est un animal qui nous donne plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'elle nous donne, la vache, comme nourriture? Oui. Elle nous donne du lait. Également, qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'on peut faire avec la vache? Mariam. Très bien, nous, on peut manger de sa viande. Des bons steaks. Et en plus, on peut le prendre pour le riz. Très bien. Est-ce qu'on peut égorger une vache pour le riz? Oui. Très bien. On peut égorger pour le riz, c'est soit un mouton, soit un bœuf ou une vache, soit un chameau. Un chameau, un chameau. Un chameau, une chèvre, on peut. D'accord. T'as déjà vu, toi? T'as déjà vu, hein? On écoute. Non, moi, j'ai jamais coupé un chameau. J'ai que des moutons. On écoute. On écoute. Non, on arrête les questions. Également, les vaches, comme avant, à l'époque, les gens, ils travaillaient avec pour les champs, etc. Et Allah Azza wa Jal, il a appelé dans le Coran une sourate qui s'appelle la sourate Al-Baqara, la sourate la vache. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il a appelé cette sourate Al-Baqara? Nous allons l'expliquer aujourd'hui avec l'histoire du prophète Moussa. Moussa. Moussa, alayhi salam. Cette vache, elle appartenait à un petit garçon. Et cette vache n'avait jamais travaillé. Cette vache, c'était une très, très belle vache. Et un jour, un marchand, un commerçant, quelqu'un qui vendait des choses parmi les enfants d'Israël, parmi les Banu Israël, avait été tué par quelqu'un. Quelqu'un l'a tué. Et les gens, ils ont commencé à chercher qui l'avait tué. Et ils ont dit, c'est lui, non, c'est lui, non, c'est lui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été voir le prophète Moussa alayhi salam. Et Moussa alayhi salam, il leur a dit, je vais vous aider à trouver qui est-ce qui a tué cette personne. Mais d'abord, Allah il vous demande quelque chose. Est-ce que vous allez faire ce qu'Allah vous demande? Oui. Allah Azza wa Jal, il leur a demandé de sacrifier une vache, de la sacrifier, de prendre ses os, de la poser sur le mort, et peut-être que le mort, il va revivre, et il va dire qui l'a tué. Donc Allah, il leur a demandé quoi? De sacrifier une vache pour pouvoir trouver le coupable. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils se sont moqués de Moussa. Ils n'ont pas cru à ce que Moussa disait. Et ils ont désobéi à l'ordre d'Allah. Et ils n'ont pas cru le prophète Moussa alayhi salam. Et ils se sont moqués de lui. Est-ce qu'on a le droit de se moquer des prophètes? Non. Est-ce qu'on a le droit de pas croire en prophètes? Non. Est-ce qu'on a le droit de désobéir à Allah? Non. Parce que tout ce que les prophètes disent, c'est la vérité. La vérité. La vérité. Et ensuite, ils ont commencé à se disputer entre eux. Et à la fin, ils ont choisi d'écouter les conseils de Moussa. Donc Allah Azza wa Jalla, il leur a demandé d'égorger quoi ? Une vache. Une vache, n'importe laquelle. Mais eux, ils ont commencé à chipoter. Ils ont commencé à poser beaucoup de questions. Ils ont dit, mais on ne sait pas laquelle choisir. Quel âge elle doit avoir? Quelle couleur elle doit avoir? Et Moussa alayhi salam, il leur a dit, vous aurez dû obéir à Allah sans poser de questions. Car Allah azza wa jal, il vous a ordonné de sacrifier n'importe quelle vache. Ensuite, Allah azza wa jal, comme ils ont posé la question, il leur a dit, Allah azza wa jal, il vous ordonne, c'est quelle couleur une vache? Et bien là, il leur a dit, vous devez trouver une vache jaune, une vache blonde, d'un âge idéal, la plus belle des vaches. Et souvenez-vous, c'était laquelle la plus belle des vaches? Vous vous souvenez la vache du petit garçon? Oui, vous vous souvenez? Oui, elle est jaune. Elle est blonde, elle est dorée. Et ça existe encore, les vaches? Il y a des vaches marrons, vous avez déjà vu? Oui, oui. Et là, cette vache, il n'y en avait qu'une. Donc, tu ne peux pas la rater. Tu ne peux pas la rater. Et là, ils ont commencé à chercher cette vache partout. Et à ce moment-là, ils ont vu un petit garçon en train de jouer avec cette vache. Donc, ils ont été voir ce petit garçon et lui ont dit, je voudrais bien acheter ta vache. Elle est vraiment belle, ta vache, Mariam. Elle est vraiment belle, ta vache. Je voudrais bien l'acheter. Et le petit garçon lui dit, je ne sais pas, parce que vous, vous n'obéissez jamais au prophète Moussa et vous vous moquez de lui. Il dit, et vous discutez de ce qu'il dit, les ordres qu'il vous dit. Donc je ne vous vendrai pas cette vache. Et les hommes, ils insistèrent, mais si, à quel est ton prix? On te donne deux fois plus d'argent que tu le veux. Mais le jeune garçon refusa. Ils lui ont dit, on te donne 10 fois plus d'argent que tu veux. Mais le jeune garçon refusa. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux alors? Qu'est-ce que tu veux alors? Le petit garçon, il a dit, je veux une très grosse somme d'argent ou une très grosse somme et vous ne vous arriverez pas à la donner. Et lui ont dit, dis-nous, c'est quoi? Et il lui a dit, je te demande tout ça comme argent. Et lui ont donné tout de suite. Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ils ont tout de suite tué la vache. Ils ont pris les os de la vache. Ils l'ont mis sur le corps de celui qui était mort. Et là, il ouvrit ses yeux. Et il a dit, c'est lui qui m'a tué, car il voulait voler mon argent. Est-ce qu'on peut tuer les gens? Non. Est-ce qu'on peut voler l'argent des gens? C'est qui m'a tué. Et ensuite, ils ont repris les os de la vache, et le marchand referma les yeux. Et les gens s'emparèrent du coupable, car ce méchant qui avait tué, il a failli provoquer une guerre dans leur tribu. Et Allah Azza wa Jal, il a rétabli la paix sur eux. Voilà pour l'histoire de la vache et du prophète Moussa alayhi salam. On répète, Allahumma salli ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد